Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de gestion du stress et on va voir du côté de la médecine traditionnelle indienne. Et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rita Osterbeek, qui est thérapeute ayurvédique et formatrice en Ayurveda. Rita, bonjour, merci de participer à ce podcast. Bonjour Matassem, merci pour ton invitation. Alors, je ne t'ai pas demandé avant comment prononcer ton nom, j'espère que je n'ai pas trop massacré ton nom de famille. C'est pas grave, c'est Osterbeek qu'on dit, mais depuis toute petite, on a toujours massacré mon nom, donc c'est pas grave. Donc, pas de changement. Osterbeek, d'accord. Très bien, donc tu es aussi naturopathe, tu as également exercé en tant qu'infirmière pendant plus de 5 ans dans les urgences et au bloc opératoire. Et tu animes aussi depuis un an et demi, je pense, ou deux ans et demi, tu m'avais dit, une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Ayur Nature et qui parle d'Ayurveda. Tout à fait. Et tu exerces aussi à Marseille. Oui, tout à fait. J'ai un cabinet à Marseille. Donc, j'ai arrêté depuis quelques années mon métier d'infirmière. Et là, je travaille uniquement avec l'Ayurveda et la naturopathie. Très bien. Alors donc là, je vais donner un bref résumé de ton parcours. Alors est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ce parcours, de ce qui t'a amené à découvrir l'Ayurveda et à approfondir cette médecine indienne? Oui, en fait, l'Ayurveda, je l'ai toujours connue parce que forcément, ma grand-mère, elle est indienne, donc c'est quelque chose que je connaissais un petit peu comme ça. Mais quand j'ai dû faire l'équivalent du bac et tout ça... Moi, j'étais intéressée pour faire la réflexologie plantaire à l'époque, mais mon père voulait que je fasse un vrai métier. Et du coup, j'ai fait les études d'infirmière, un métier que j'aime beaucoup. Donc, j'ai travaillé aux urgences et au bloc. Et c'est en arrivant en France, du coup, pour travailler aux urgences, que ce besoin des médecines naturelles, il s'est réveillé à nouveau. Donc, j'ai fait mes études de naturo, de réflexologie. Et plus tard, quelques années plus tard, j'étais à Marseille. Et là, c'était un vrai besoin personnel parce que j'ai continué à travailler comme infirmière parce que les études de naturopathie, j'avais fait à titre personnel pour moi, pour mon entourage. Ce n'était pas pour exercer. Et là, j'ai eu... alors, j'étais heureuse de ma vie, mais il me manquait quelque chose. J'avais mon compagnon que j'ai toujours aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses. Mon métier qui me convenait. Mais il me manquait quelque chose. Donc, je pars en Inde avec un billet simple d'aller, en fait. Et c'est là que j'atterris dans une clinique ayurvédique et que l'aventure a commencé, quoi. Et donc, aujourd'hui, je suis passionnée. C'est vraiment ma vie. C'est mon métier, mais c'est ma vie. Et je continue à étudier, même si je suis aujourd'hui formatrice, parce que c'est... comme dit un de mes professeurs, la médecine, on apprend toute une vie, quoi. C'est très vaste. Oui. Et est-ce que ton travail en tant qu'infirmière, le fait de voir la santé des personnes que tu as accompagnées, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi orienté vers les médecines traditionnelles ou les médecines douces? Je ne pense pas, parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps, depuis toujours. Ma grand-mère, là, pour le coup, ma grand-mère qui a aujourd'hui 100 ans, d'ailleurs, elle va faire bientôt 101 ans, elle s'est toujours soignée avec tout ce qui est naturel, même si elle a des maladies, qu'aujourd'hui, elle doit prendre des médicaments. Je ne sais pas, je pense que ça vient beaucoup d'elle. Dans ma formation d'infirmière, en fait, on avait des... Au Portugal, on fait 4 ans d'études. Et à un moment donné, il y avait une classe supplémentaire si on voulait apprendre sur les thérapies complémentaires. Mais il n'y avait pas la place pour tout le monde. Et je n'ai pas eu la chance de participer à cette classe. Peut-être qu'à ce moment-là, le fait d'avoir parlé avec mes collègues, ça me réveillait encore plus cette envie. Surtout, ma dernière année de soins infirmiers, d'études de soins infirmiers, a été assez dure parce que je n'étais pas bien dans ma peau, etc., pour des questions personnelles. Et du coup, j'ai beaucoup remis en question. J'ai fini ces études grâce à mes collègues qui ont beaucoup insisté. Tiens, Rita, tu as presque fini, maintenant tu vas finir. Et heureusement que je l'ai fait parce que c'est un métier que j'adore et qui m'a permis de travailler aux urgences et au bloc opératoire, chose que j'ai adorée.
Mais c'est vrai que mon appel d'âme, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment l'Ayurveda, c'est cette médecine qui relie le corps et l'esprit. Et le fait de voir l'alimentation comme quelque chose de fondamental, je pense que c'était un moi. Parce que, par exemple, en tant qu'infirmière, à la fin des études au Portugal, on fait une étude scientifique, si on peut dire comme ça, une petite étude scientifique. Donc, on apprend toutes les étapes pour le faire. Et donc, moi, je l'avais fait sur la nutrition déjà. Mais c'était complètement différent de la vision que j'ai de la nutrition aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, on étudiait la nutrition. J'ai fait les études que j'ai fait, les recueils de données étaient à l'hôpital. Donc, toute la vision était basée sur, les menus étaient basés sur protéines, lipides, glucides. Il n'y avait pas la notion de plaisir. Il y a beaucoup de patients pour le nombre de soignants. Donc, en fait, les soignants, ils essayaient de donner la nourriture le plus vite possible. Il y a une notion. Alors que maintenant, je vois que l'alimentation, c'est ça qui fait notre santé. C'est pas que ça, bien sûr, mais déjà, je l'ai compris avec la naturopathie, mais avec l'Ayurveda, c'est encore plus évident que tout ce qu'on prend par notre bouche, mais par nos cinq sens, en fait. Par exemple, nos émotions, selon l'Ayurveda, on a une digestion aussi de ces émotions. Et c'est toutes ces choses-là qu'on prend tous les jours à petite dose, qui vont créer notre état de santé. Et cette vision, on n'a pas du tout aux soins infirmiers. D'ailleurs, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, c'est rigolo de voir comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça crée chez l'autre. Chez mes collègues infirmiers, parce que forcément, quand on voit quelqu'un, quand on aime ce que quelqu'un fait, ou quand on critique négativement ce que quelqu'un fait, c'est toujours par rapport à nous, à nos désirs. À nos désirs, à nos souhaits, à ce qu'on aspire. Et c'est vrai que j'ai travaillé au bloc quand j'ai décidé de quitter, de créer mon cabinet. Et c'était un peu la découverte de voir certaines personnes, je m'attendais, qui soient contentes de moi, d'autres personnes qui critiquaient, mais je voyais parce que c'est ce qu'ils auraient voulu faire. Et donc c'est intéressant, mais je dirais pas que c'est les soins infirmiers qui m'ont amené là, Oui, peut-être. c'est vrai que la façon dont je voyais cela, c'était pas nécessairement que les études ou le parcours d'infirmière t'aient amené dans cette direction, mais c'est aussi peut-être le contraste de suivre des personnes qui sont dans un modèle allopathique, qui n'ont peut-être pas cette vision de la santé, de l'alimentation, une vision beaucoup plus holistique. Et comme toi, déjà, tu avais cette intuition ou déjà tu t'intéressais à cela, peut-être voir ce contraste et se dire que si cette personne, elle prenait le temps peut-être de manger différemment, de s'écouter davantage, ça changerait complètement sa santé aujourd'hui. Et voir que l'approche, on va dire, allopathique est peut-être, et c'est un peu obtus, un peu parfois un peu excessive par rapport à comment on agit sur les organes ou sur la santé, et qu'on pourrait travailler d'une manière beaucoup plus subtile. En fait, mon premier métier d'infirmier, c'était aux urgences. Et en arrivant en France, ça m'a choqué beaucoup, en fait. Parce que pendant mes études, aussi, je pense que l'enseignement et l'approche au Portugal, peut-être, est un petit peu différente qu'en France. Au Portugal, j'avais travaillé, mais c'était plus des stages. J'ai peu travaillé une fois que j'étais infirmière, vraiment. Je suis venue direct en France. Et en fait, aux urgences, j'ai vu ce rapport à l'argent. Parce enfin, on parlait tout le temps d'argent, en fait, et indirectement. Et le fait de voir, comme j'ai travaillé aux urgences, je voyais les urgentistes, mais je voyais tous les médecins, tous les spécialistes. Et donc, quand on avait, par exemple, un patient qui avait des problèmes cardiovasculaires, donc qui a des problèmes de cœur et de poumons, parce que souvent c'est lié, quand ce patient-là, on sait que ça rapporte pas beaucoup. On voyait un petit peu la guerre entre les pneumologues et les cardiologues qui voulaient se refouler le patient, quoi. Et c'était pas beau à voir. Donc ça a quelque chose qui m'a choqué profondément au début de ma carrière.
Après, je pense qu'on apprend parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à l'hôpital. Hein, donc, j'ai pas du tout ce discours que l'hôpital ne sert à rien, que le médecin ne comprend rien. Il y a beaucoup de personnes dans le bien-être et dans les soins naturels qui ont ce discours. Moi, pas du tout. Parce que je pense que c'est nécessaire quand c'est nécessaire. Mais il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins humanisées. Mais je ne pense pas que ça soit lié au médecin en particulier. C'est la façon dont on a créé ces institutions, qui sont les hôpitaux, qui finalement sont des entreprises et qui doivent faire un chiffre d'affaires. C'est la façon dont s'est créé un Occident, je pense, qui rend les choses un petit peu moins humaines. Parce que, comme dit un de mes professeurs aussi en Ayurveda, il dit, si vous allez en Inde dans un hôpital ayurvédique où l'Ayurveda et l'allopathie, elle se fait en collaboration, nous, à l'hôpital, on a 5 minutes pour voir un patient. Donc, même si on fait l'Ayurveda en 5 minutes, c'est mal fait. Donc, je pense que c'est l'organisation qui est derrière qui oblige les choses à faire comme ça, et c'est pour ça que j'étais autant choquée. Et là, pour le coup, je pense que oui, je pense que ces chocs-là, qui a choqué avec moi, avec ma personnalité, avec mes croyances, peut-être ça m'a contribué à partir plus dans les médecines traditionnelles. Parce que D'accord. pendant mes études d'infirmière, on parle beaucoup de l'être holistique, de voir la personne, de voir l'esprit de la personne, de parler avec la personne, de masser la personne. Donc, pendant mes études, j'étais un petit peu dans le cocon, quoi. Alors donc là on a parlé de l'approche, on va dire la poétique occidentale. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'Ayurveda? Donc j'ai présenté cela comme une médecine traditionnelle indienne. Je sais que c'est vieux de plusieurs millénaires. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comment tu décrirais l'Ayurveda? Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, elle est classée comme la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde. On ne sait pas aujourd'hui exactement de quand elle date. Et normalement, les datations, on a de 5000, on voit 5000, 7000 ans. Mais en fait, cette datation, elle se fait par rapport aux études, aux écrits qui existent aujourd'hui, les écrits ayurvédiques. C'est des ouvrages qu'on étudie encore aujourd'hui à l'université en Inde, qui sont écrits en sanskrit. Et donc, les études pour déterminer l'âge de l'Ayurveda, ils vont étudier le style d'écriture de ces ouvrages. Or, on sait que l'Ayurveda, à la base, c'est une transmission orale, donc elle est plus ancienne que ça. Donc, déjà, on ne sait pas de quand ça date. Et je dirais que c'est vraiment la médecine qui va étudier le corps et l'esprit, c'est-à-dire il va vraiment relier et va partir sur les bases. Donc, il y a une connaissance qui précède l'Ayurveda, qui est le Samkhya. C'est un système d'énumération qui nous explique comment l'univers a été créé. Okay? C'est basé dans l'observation du monde qu'on a autour de nous. Et donc, il y a tout un tas d'étapes qui nous expliquent comment on part de quelque chose qui est Purusha, qui est la conscience pure, universelle, où tout est beau, magnifique, mais ça n'existe pas dans la matière. Et puis, il y a tout un tas d'étapes, et on arrive à la matière avec 5 éléments. Les 5 éléments, c'est l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et du coup, après, vu que la matérialité, elle existe sous forme de ces 5 éléments, tout ce qui existe autour de nous et à l'intérieur de nous, c'est aussi ces 5 éléments. Du coup, ces 5 éléments, ils vont se relier, ils vont se mélanger pour créer 3 énergies différentes qu'on appelle les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc, Vata, il est constitué d'espace et d'air. Le Pitta, il est constitué de feu et d'eau. Plus concrètement, c'est le feu qui se déplace dans un milieu liquide. Et le Kapha, c'est la terre et l'eau. Donc, naturellement, on va voir que le Vata, vu qu'il est constitué d'air et d'espace, il va être plus aérien. Le Pitta, il va être plus chaud parce qu'il est constitué de feu, par exemple. Et le Kapha, c'est celui qui est donc constitué d'eau et de terre, et il va être beaucoup plus solide, beaucoup plus lent. Donc ces 3 doshas, ils existent
Dans notre constitution, c'est-à-dire que nous, on va avoir toujours les trois doshas, parce que forcément, on a les trois éléments, les cinq éléments, pardon, mais on va avoir des dominances. Et ces dominances-là, elles vont nous donner une physiologie particulière, une façon de penser, de réfléchir particulière, parfois des comportements particuliers. Après, on va étudier aussi, quand on étudie les maladies, les déséquilibres, on va aussi observer ces trois doshas. Quand on regarde la météo, les climats, on va observer ces trois doshas. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Donc, par exemple, une personne qui est vata pure, elle est donc constituée d'air et d'espace. Donc, l'air et l'espace, si on imagine le vent, par exemple, si on a l'image du vent, on comprend que le vent, quand il touche notre peau, il assèche notre peau. On comprend qu'il est froid. On comprend que il part dans tous les sens, donc il y a le mouvement qui est très présent tout le temps. Donc une personne qui est dominée par Vata, dans son corps, elle va être toute mince parce que le corps il est asséché. Elle va avoir du mal à créer des tissus. Elle va être légère dans son esprit. Son esprit il va avoir une tendance à partir dans tous les sens, mais tout, il y a beaucoup de variations dans le vata, c'est-à-dire que sa digestion, elle est aussi variable. Un jour il a faim, un jour il n'a pas faim. C'est les personnes qui ont beaucoup de créativité, donc un jour elles veulent faire un projet, après ils veulent faire un autre, après il n'y a pas de constance, comme un petit peu l'énergie du vent. Donc ça change beaucoup. C'est la personne qui a froid tout le temps, qui a froid aux mains et aux pieds tout le temps, et c'est la personne qui a plus tendance au stress, notamment. C'est aussi la personne qui va essayer de tout expérimenter, voilà, parce qu'elle est beaucoup dans cette curiosité, dans la créativité, tout ça. Le pitta, oui, tu veux Non, poser une vas-y, question? d'accord. Non, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment multifactoriel. On a une lecture de la personne sous tous les angles, au niveau du comportement, au niveau de la santé, de la Oui, tout à digestion, au fait. niveau des ressentis. Et Tout à fait, donc tout à fait. ça c'est Vata. Alors, avant de découvrir les autres, est-ce que le but c'est d'avoir un équilibre dans de ces trois tendances? Où on peut être Vata et avoir son équilibre dans Vata. Alors, c'est ça qui est très intéressant en Ayurveda, c'est que après on va étudier les types, mais on va comprendre que quand on est conçu, en fait, au moment que maman et papa ils font l'amour, en fait, il y a donc un mélange qui se fait entre les doshas de la maman, les doshas du papa, les doshas qui sont présents dans l'environnement, dans le climat, dans ce moment précis. Et donc ça va donner ce qu'on appelle notre prakriti en sanskrit, c'est notre constitution de base. Cette constitution, par exemple, moi je suis Vata Pitta, j'ai aussi du Kapha, mais mes dominances, c'est Vata Pitta. Donc, quand je serai en équilibre, je ne serai jamais à 33% de Vata, 33% de Pitta et 33% de Kapha. Mon but, c'est de chercher mon équilibre de quelqu'un qui est Vata Pitta. D'accord. Okay? Et il n'y a pas un dosha qui est meilleur que l'autre, selon l'Ayurveda. Il y a des préjugés qui sont préjugés, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est il y a des personnes qui pensent que quelque chose est plus apprécié que l'autre. Par exemple, en Inde, le kapha, il est très apprécié parce que le kapha, c'est cette énergie de l'eau et de la terre. Donc, c'est la personne qui est plus stable, plus maternelle, plus à l'écoute, plus forte, une immunité plus forte, etc. Dans notre société occidentale, c'est le Vata Pitta qui est très apprécié, parce que c'est surtout le Pitta Vata plutôt, parce que c'est la personne qui a le Pitta, donc avec son feu, c'est la personne qui est très intelligente, donc elle comprend les choses très vite. Par exemple, c'est les excellents leaders, chefs d'entreprise qui savent très bien donner les tâches à chacun. C'est productif. Et donc, dans notre société, c'est vrai que le Vata Pitta, le Pitta, il a le côté productif, le Vata, il a le côté créativité, faire des choses. Les deux ensemble, ça donne quelque chose de très productif. Et c'est quelque chose qui est très apprécié dans notre société. D'accord. Ce qui n'est pas terrible pour la personne quand elle vit dans cette société, parce que du coup, il y a une des bases de l'Ayurveda, c'est que le semblable augmente le semblable et le contraire diminue. C'est-à-dire que pour équilibrer notre nature, il faut nous donner le contraire.
Donc une personne qui est Vatapita, qui est dans une société qui le pousse à l'extrême du perfectionnisme, de la production, etc., etc., elle va avoir tendance à être de plus en plus déséquilibrée. Et c'est là qu'il y a les problèmes, les déséquilibres, voire les maladies qui commencent à surgir selon l'Ayurveda. D'accord, oui, c'est un vaste domaine et c'est passionnant. Et donc, je pense sur ton, j'imagine que sur ta chaîne YouTube, tu parles de tous ces, de toutes ces dynamiques, de comment chacun de ces trois éléments, chacun de ces trois fonctionnements se manifeste. Ça, tu as des épisodes sur ta chaîne? Tout à fait, c'est quand j'ai créé la chaîne, les premières vidéos que j'ai fait, c'est j'ai fait 5 vidéos, j'ai même fait 6 sur les 5 éléments. Et après, j'ai fait une vidéo pour chaque constitution simple, Vata, Pitta et Kapha. J'ai fait une vidéo pour chaque constitution double, Vata, Pitta, Pitta, Vata, Kapha, Vata, etc. Et une vidéo pour la constitution tridoshique, donc la personne qui est dominée par Vata, Pitta, Kapha, où tout est un peu plus équilibré. Donc j'ai fait tout ça, expliqué, où je parle donc du physique, du mental, du comportement et comment s'équilibrer, surtout. D'accord, ouais, donc j'invite tous les auditeurs, auditrices à aller explorer ta chaîne pour voilà, découvrir tous ces détails. Voilà, parce que c'est passionnant et c'est vrai que je pense qu'il y a énormément à dire. C'est tout un art, toute une médecine complète. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est peut-être nous concentrer sur un des aspects des bienfaits de l'Ayurveda, sur notamment les personnes qui ont un mental qui est très actif, qui ont tendance à beaucoup cogiter. Et ça, on sait que dans nos sociétés modernes, on dit souvent qu'on est beaucoup dans la tête et pas suffisamment dans le corps. Donc, comment toi tu approcherais cette problématique? Quels seraient voilà, les conseils qu'on peut leur donner? Alors, selon l'Ayurveda, donc toi tu me parles de la personne qui est déjà stressée, qui a déjà des déséquilibres. Donc, je vais te dire ce que disent les textes. Et selon l'Ayurveda, donc c'est écrit dans la Charaka Samhita et dans la Ashtanga Hridayam, c'est deux ouvrages de référence, que les doshas Vata, Pitta et Kapha, ils créent des maladies dans le corps et que les gunas Rajas et Tamas créent des déséquilibres au niveau du mental. Donc en fait, même si on a un dosha plus prédominant au niveau du mental, c'est pas lui qui va créer la maladie. Donc on va étudier Rajas et Tamas. Il y a un troisième, c'est Sattva. Sattva, il crée pas la maladie. Sattva, c'est la personne sattvique, c'est l'exemple type, l'image du yogi qui est dans une grotte, qui médite, qui est Bouddha, voilà, par exemple, sattvique, ok? Rajas et Tamas, ils sont pas négatifs s'ils sont équilibrés. Rajas, c'est celui qui nous permet l'activité. Par exemple, si je prends un stylo, l'action de prendre un stylo, c'est Rajas. Quand je vais me coucher, quand je vais dormir, c'est un arrêt d'activité. Et donc, pour cela, il faut Tamas. Okay? Les problèmes, les déséquilibres arrivent quand on a un excès de Rajas ou de Tamas. Donc, excès de Rajas, c'est typiquement la personne qui vit dans cette société. Donc, elle va travailler à l'extrême, elle a pas assez de temps, donc elle va pomper dans ses heures de sommeil, elle va s'empêcher de dormir, donc elle va empêcher Tamas de fonctionner, et elle va accélérer, accélérer, continuer dans cette activité rajasique. Et du coup, ça va faire qu'à la longue, elle risque de faire par exemple un burn-out. Ça, c'est dans un extrême. Mais même avant d'arriver de burn-out, c'est ces personnes qu'on a tous, en fait. Des fois, on est là, on a des absences. On n'est plus là, on part dans nos pensées. Et ça, c'est parce qu'on ne s'autorise pas assez de moments de silence. C'est ça, tu vois, c'est ces moments de silence et ces moments sattviques qui nous permettent d'équilibrer le mental. Donc, comment équilibrer le mental selon l'Ayurveda? C'est chercher sattva. Donc, comment le faire? Donc, une chose, tu le fais très bien, c'est la méditation. On a aussi des techniques de respiration. On va avoir juste des moments de silence, la contemplation, la visualisation. Donc, toutes ces choses-là, je pense que tu parles déjà. Donc, je pense que tout le monde est déjà un petit peu au courant de toutes ces choses. On peut aussi passer par l'alimentation et par le corps. Donc c'est plus de ça que peut-être ça va être plus intéressant de vous parler. Donc comme je disais tout à l'heure, le semblable augmente le semblable. Donc forcément, quand on a une activité rajasique, c'est une activité qui a du mouvement, qui part, qui a de l'activité. Donc ça va augmenter Vata. C'est pareil que si Vata, il bouge
dans tous les sens, qui fait des voyages tout le temps, ça va aussi augmenter Rajas. Donc les deux, ils vont un petit peu avec dans ce sens, ils sont un petit peu liés. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du corps? On va essayer d'apaiser Vata pour justement calmer Vata dans le corps et que ça calme un petit peu l'activité de Vata dans le mental, mais aussi de Rajas dans le mental. Parce que selon l'Ayurveda, l'esprit, il précède le corps, ça c'est très bien expliqué dans le Samkhya. Mais par contre, le corps, il est le contenant qui contient l'esprit. Donc, le fait d'agir sur le corps va automatiquement avoir un impact sur l'esprit. Par exemple, quand on boit des boissons alcooliques en excès ou pas, ou qu'on prend des drogues, on a un impact direct sur la psyché. Donc, on voit que le corps et l'esprit sont liés. Okay? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Donc là, on va agir sur Vata, parce que Vata, c'est celui qui bouge dans tous les sens. Quand on arrive à arrêter un petit peu ce mouvement de Vata, quand on arrive à trouver ces mo moments de quiétude, de silence, de stabilité, oh, d'un coup, on est plus stable. Et c'est beau. Alors, comment faire? Vata, il est froid, il est sec, il est bougeant. Donc, on va lui donner le contraire, tout simplement. Une thérapie qui est très conseillée, alors en Ayurveda, quand on parle de thérapie de traitement, on parle tout ce qui est alimentation, conseil en gestion du mental, en exercice physique, pour nous c'est un traitement. Okay? Ce n'est pas forcément donner des plantes et des choses comme ça. Donc un traitement qu'on donne pour Vata, c'est par exemple prendre un verre d'eau chaude le matin. Donc le matin, la première chose qu'on fait, c'est de faire bouillir de l'eau et d'attendre que cette eau elle refroidisse un petit peu pour pas se brûler, bien sûr, mais la boire chaude. Et Et le chaud, il va. excuse-moi, Oui. tu la bois comme si tu buvais de l'eau tiède, tu la bois d'un coup ou tu la sirotes comme si c'était un. Il n'y a pas besoin de la boire d'un coup. D'ailleurs, tout ce qui est mouvement très rapide, c'est pas très conseillé pour Vata. L'idée, c'est de surtout d'avoir de la régularité. Et c'est là où Vata, il a beaucoup, beaucoup de mal parce qu'il adore l'instabilité. Il adore faire un jour prendre le petit déjeuner, l'autre jour je ne le prends pas, un jour regarder un film, l'autre jour bouquiner. Et en fait, ce qui va vraiment calmer Vata, c'est de trouver de la régularité parce que c'est son opposé. Donc, quand on dit un verre d'eau chaude le matin, c'est que tous les matins, on se lève et on prend un verre d'eau chaude. Et la chaleur, c'est incroyable comme ça apaise Vata. Donc, plus le déséquilibre il est grand, plus on peut donner une quantité d'eau plus conséquente. Après, il faut regarder les reins, donc on peut pas, je peux pas conseiller là comme ça sans connaître les personnes qui nous écoutent. Mais parfois, je vais jusqu'à conseiller même 1 litre d'eau le matin, D'accord. selon le déséquilibre. Et ça apaise, mais au bout d'une semaine, on voit les résultats. Okay? Parce que c'est chaud et le Vata, il est très froid. Et du coup, le fait qu'il fasse tous les jours aussi, ça lui donne de la stabilité. Donc, aussi, le fait de dire que la régularité est importante, une fois que le Vata il a compris, s'il le fait, il voit les effets de suite. Pas tellement dans ce cas, dans son mental, il va voir surtout dans sa digestion. Le fait de manger tout le temps à la même heure, de se coucher, de se lever tout le temps à la même heure, il va voir les effets sur sa digestion, sur sa fatigue, sur son mental aussi. Mais ce qui va vraiment apaiser le mental, ça va être la pratique, par exemple, de Nadi Shodhana. C'est une respiration qui apaise beaucoup le mental et qui est très spécifique pour Vata. Donc, c'est une respiration alternée des narines. Je ne sais pas si tu as déjà parlé à tes auditeurs. Je pense que j'avais fait une vidéo, mais on peut en reparler. Oui, tu peux nous réexpliquer en quoi consiste cette respiration? Donc en fait, on bouche les deux narines, on bouche une narine à la fois. Donc on peut utiliser avec un mudra spécifique ou si c'est compliqué, juste on bouche avec l'index et le pouce. Et donc on inspire par exemple, on bouche la narine gauche, on commence par inspirer à droite, on ferme, on garde un petit temps de retention, on expire à gauche. Puis on inspire, on peut faire une rétention à vide si c'est pas trop dur. Pour les débutants, c'est très dur. Donc on peut commencer juste par faire inspire, expire. Puis on inspire à nouveau à gauche, on ferme, on expire à droite. Je refais, inspire à droite, ferme, ouvre à gauche, expire à gauche, inspire à gauche, ferme,
expire à droite. Et donc, ça permet, comme c'est un petit peu, ça demande de l'attention, ça captive l'attention du Vata. Donc, il ne peut plus partir dans sa pensée parce qu'il se dit, oh, le thérapeute, il m'a dit de faire ça. Donc, il faut que je sois concentré et c'est ça va m'aider. Donc, en fait, il est tellement concentré à faire ce schéma que du coup, les pensées, elles sont pas là parce que tout son focus, il est là. Et le fait de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, apaise énormément le mental. Et c'est plus facile que de méditer. Parce qu'une personne qui est dans ses pensées tout le temps, donc c'est-à-dire qui est déjà dans un état où on parle avec la personne elle part, elle n'est plus là, c'est quand on lui dit maintenant vous allez méditer, je vous conseille de méditer. Si je dis ça au cabinet, à la personne, maintenant vous asseyez, vous méditez, et elle peut pas le faire. Elle est tellement dans les airs et il y a tellement d'air et d'espace là dans sa cogitation que du coup elle sait pas faire ça. Donc elle va dire je sais pas méditer, je peux pas faire, c'est pas fait pour moi. Et pourtant c'est accessible à tout le monde. Donc le Nadi Shodhana c'est quelque chose qui est plus facile parce que ça part, on doit être concentré sur les doigts, ça passe par le corps, par le souffle. Donc c'est plus facile de commencer comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, juste pour réagir par Vas-y, rapport à vas-y. cela. Oui, c'est vrai que l'accès au corps est souvent une porte d'entrée intéressante lorsqu'on a beaucoup d'agitation en soi, que ce soit voilà, focaliser l'attention sur la respiration, ou parfois prendre un bain, ou s'étirer un petit peu. Donc tout ce qui va ramener en douceur l'attention dans le corps, ça sera plus accessible souvent pour toutes les personnes agitées, et après, éventuellement, évoluer vers une méditation plus classique où là effectivement on peut focaliser l'attention sur ce qu'on ressent dans l'instant. Très bien. Donc on a vu le verre d'eau chaude, comment tu appelles la respiration Nadi Nadi Shodhana. Shodhana, respiration alternée des narines, en fait. Et ça pendant combien de temps tu Alors, recommences? c'est une question très intéressante, j'ai oublié de dire. Alors, on peut faire le temps qu'on veut, mais en général, quand je conseille le Nadi Shodhana, c'est aux personnes qui savent pas du tout méditer. Donc, si je leur dis maintenant, vous asseyez 30 minutes et vous faites ça tous les jours, elle va pas le faire, c'est pas possible. Donc très souvent, je dis 5 minutes ou 2 minutes, selon la personne que j'ai en face. Et ça marche. Parce que du coup, c'est une négociation, c'est qu'on dit, OK, 2 minutes. Si on le fait tous les jours, obligatoirement, ça va apporter des résultats. Si je dis 30 minutes, la personne va le faire une fois. Et ça aura apaisé sur le moment et c'est fini. Et l'idée, c'est avec l'Ayurveda, c'est d'avoir des résultats durables. C'est que ça améliore notre santé, notamment là, on parle de notre santé psychique. Donc, c'est que à la longue, on a de moins en moins cette tendance à partir avec les pensées. C'est le fait de pratiquer un petit peu tous les jours que fait que notre mental, c'est un peu la gymnastique du mental. C'est comme le corps, pour créer du muscle, il faut faire du sport avec régularité. Pour éduquer le mental, il faut faire avec régularité. Oui, Donc, et comme tu as bien dit, négocier, c'est le bon mot. C'est vrai que parfois avec le mental, il faut négocier, comme il a ses habitudes et il a besoin de comprendre et lui dire, voilà, tu passes 2 minutes à faire cet exercice, voilà, c'est un petit effort à faire et 2 minutes peuvent ensuite amener 3 minutes, puis 4 minutes. Et effectivement, ensuite, si on commence à en ressentir les bienfaits, ça devient beaucoup plus facile à mettre en place. Et donc, tout à fait. ce que j'ai bien compris, il y a l'habitude, il y a, je veux dire, l'action que tu proposes, mais il y a aussi le bienfait de la régularité. C'est-à-dire non seulement ce que je fais, le verre d'eau, cette respiration me fait du bien, mais c'est aussi de le faire jour après jour, à peu près au même moment, d'installer cette régularité. Il y a aussi un bénéfice à cela. Ça, c'est fondamental pour la personne qui a, si on veut, si notre cible est Vata, si on veut cibler Vata, la régularité, c'est la base. S'il n'y a pas de régularité, si je dis Nadi Shodhana, mais qu'un jour la personne elle fait à 8 h du matin, l'autre jour à 6 h de l'après-midi, et que là on est perdu. Parce qu'il faut ancrer, il faut quelque chose d'ancrage. Parce que le Vata, voilà, c'est l'air et l'espace. Il n'a pas de terre, il n'y a pas d'ancrage. Donc il faut qu'on crée ces moments d'ancrage et il a du mal parce qu'il n'aime pas.
plus on est dans l'air et dans l'espace, plus on a envie d'y être. Donc, c'est vraiment très, très important. Après, on a d'autres choses plus faciles. Donc, moi, je donne toujours plusieurs conseils et il y a toujours cette négociation de voir. Et je dis à la personne de appliquer une chose après l'autre et commencer par ce qui est plus facile. Parce que si c'est facile, on va le faire et on va le faire dans la durée. Et une fois que c'est installé, la première habitude, on peut installer une deuxième. Donc, il y a autre chose qui apaise beaucoup Vata, c'est les automassages. Donc, se huiler la peau avec l'huile de sésame. Pourquoi l'huile de sésame? Parce qu'elle est à potence chaude, réchauffante. Et comme le Vata, il est froid, ça va l'apaiser. Okay. Et forcément, si on apaise, là, il va avoir un impact plus sur le corps. Donc, les automassages avec l'huile de sésame, c'est super, surtout si on a des tensions musculaires, des crispations. La crispation de Vata due au stress, elle est très typique. C'est les personnes qui sont dans le stress et du coup, elles se crispent et elles ont mal là au cervical. Donc, les automassages à Abhyanga, elles sont super. Donc, forcément, ça va agir sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Et on a tout un tas de choses. Les conseiller de rester plus, de ne pas partir dans tous les sens. Donc parfois, j'ai des personnes qui, dès qu'il y a un week-end, ils partent. Dès que... Voilà, après, c'est la vie aussi. Des fois, c'est le travail, donc on ne peut rien faire. Mais ces personnes, si on arrive à les apprendre à. Quand on déménage ou quand on voyage, de rester un peu plus. De trouver des moments d'ancrage. Donc, si par exemple la personne elle aime voyager tous les week-ends, c'est très bien, mais de créer des moments de silence dans son week-end, par exemple. Parce que tout ce mouvement, tout ce qui est voiture, prendre trop l'avion, marcher en excès, faire du sport en excès, ça c'est des choses qui déséquilibrent Vata. Et comme Vata c'est celui qui est le plus curieux de tous, c'est celui qui va tout expérimenter. Et du coup c'est lui qui va se mettre encore plus en déséquilibre. Par exemple, le yoga c'est quelque chose qui est le Hatha yoga, c'est une activité qui va équilibrer les trois doshas. Mais tout dépend de comment on le fait. Donc le Vata, il a besoin de le faire lentement. Et il a besoin de le faire avec les respirations, en portant toute son attention sur chaque posture. Donc l'idéal, c'est qu'il fasse une posture, qu'il observe et qu'il reste longtemps. Alors il déteste ça, bien sûr, parce que lui, il veut bouger. Ce qu'il aime, c'est l'Ashtanga Yoga, pardon. Le Bikram yoga où ils sont dans une salle super chaude, donc le chaud c'est sûr que ça apaise Vata, mais le Vata il est hyper lax, il est mince et il est hyper lax, donc il a une grande facilité à faire du yoga au plus, sauf s'il est pas sauf s'il est trop raide suite à ses stress, mais en général il est déjà assez souple et le fait de le faire faire dans une salle comme ça va augmenter encore sa souplesse et ça risque d'avoir des déchirures, etc. Donc c'est pas terrible de faire des choses dans l'extrême. C'est intéressant ça. C'est donc tu expliques que là on a tendance à être attiré vers ce qui correspond avec notre nature, mais c'est pas forcément bénéfique. Alors, pour te répondre à cela, dans les textes, on a cette explication aussi. Si on est équilibré, si nous dosha, notre prakriti, elle est parfaite et qu'on n'a aucune vikriti, c'est des déséquilibres, là, on est attiré par les choses qui nous font du bien. C'est-à-dire, si je me sens, si j'ai froid, je vais me réchauffer, je vais mettre un manteau, je vais mettre mes pieds dans l'eau chaude, etc. Ça, c'est quand je suis équilibré. Quand je suis déjà dans les déséquilibres, plus le déséquilibre il est important, plus je vais être attirée par les choses qui ne me font pas du bien. Et le sucre, c'est un exemple très fort avec ça. Quand on a une addiction au sucre, plus cette addiction elle est forte, plus on est attiré par le sucre. Okay? Et c'est un petit peu ça dans tout. Et aujourd'hui, en fait, ça on comprend avec l'Ayurveda, c'est que quand on parle de s'équilibrer, on comprend aussi que la vie, Ayurveda, c'est la science de la vie. Mais Ayur, c'est vie, mais c'est un verbe en fait. C'est pas un substantif. Donc, on voit cette vie de façon évolutive. Donc, on peut jamais être équilibré à 100%, si je peux dire, parce que notre milieu extérieur il bouge sans cesse et du coup, on est toujours bougeant. Il y a Oui, toujours des choses qui bougent. et si on est équilibré à 100%, c'est qu'on est mort.
Oui, donc on n'est plus équilibré. Voilà, c'est donc oui, donc c'est vrai que c'est on continue l'adaptation par rapport à l'environnement. Voilà, mais si on est dans un équilibre bougeant, c'est-à-dire si on arrive à bouger et s'équilibrer en même temps que les saisons, que les déséquilibres qui se passent, des petits déséquilibres internes qui se passent, si on arrive à s'équilibrer, on va continuer à être toujours attiré par les choses qui nous font du bien. Le problème arrive quand on ne s'écoute pas. Et ça, dans une de mes formations en Inde, j'ai trouvé ça très intéressant. Docteur Joshi disait, première cause des maladies selon l'Ayurveda, c'est un problème de buddhi. Buddhi, c'est le discernement. C'est que on n'écoute pas notre discernement. Parce que le discernement, dans le Samkhya, il vient encore avant notre mental. Donc, il vient avant le corps, mais il vient avant notre mental. Et il est là. Mais on l'écoute pas, et on l'écoute pas, on l'écoute pas, on l'écoute pas, et puis on est déséquilibré, et puis on est attiré par d'autres choses. D'accord. Voilà comment ça se passe. Très bien, c'est passionnant. Et donc là, tu as donné des conseils très concrets que les auditeurs et les auditrices vont pouvoir expérimenter. Donc on a vu, pour récapituler, l'eau chaude, l'exercice de respiration alternée, le Alors j'ai massage, l'huile de parlé. sésame. L'huile de Alors, sésame, excuse-moi. loge. Oui, Moi, excuse-moi. vas-y, pardon. L'huile de sésame, ça se trouve facilement. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans les magasins bio, dans les pharmacies. Oui. Aujourd'hui, oui. Alors, on va choisir une huile de sésame qui n'est pas torréfiée. Et donc là, c'est un peu plus compliqué à trouver. Si on ne trouve pas une huile de sésame qui n'est pas torréfiée, vous pouvez aussi faire des automassages avec l'huile de sésame torréfiée. Mais forcément, elle aura un petit peu moins de propriétés. Mais bon, si vous la chauffez, elle agira quand même sur le corps. Le grand inconvénient, c'est qu'elle a une odeur forte. Et du coup, si on veut faire les automassages, c'est bien qu'il n'y a pas d'odeur pour qu'on puisse après aller travailler, etc., et pas avoir l'air d'un yogi bizarre. Très bien. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce sujet qu'on a exploré, cet équilibrage de l'agitation et Alors, la question, c'est que moi, je peux dire plein de choses, hein. Oui. Ça dépend du temps qu'on a. Donc, déjà, pour faire juste le récapitulatif, comme tu faisais tout à l'heure, donc le verre d'eau chaude le matin, les automassages à l'huile de sésame, dormir, ça, j'ai pas dit, dormir, c'est très important pour le Vata. Donc, posez-vous deux questions. Combien d'heures de sommeil vous avez besoin et combien d'heures de sommeil vous dormez? Et les personnes qui sont dans cette cogitation, dans cette perfection, dans cette production liée à notre société, en général, elles ne s'autorisent pas à dormir autant d'heures qu'elles ont besoin et forcément, elles ont des problèmes. Donc ça, il n'y a rien qui remplace le sommeil. Donc ça, c'est très, très important. Après, j'ai parlé des voyages, de manger nourrissant, je n'ai pas parlé, ça c'est important aussi. Comme Vata, il est sec, manger nourrissant, c'est très important. Donc, quand je dis manger nourrissant, c'est manger des céréales. Donc, ça aussi, c'est souvent les Vata qui font des études de naturopathie, par exemple, et qui, du coup, tombent dans un hygiénisme qui est extrême, à manger beaucoup trop de crudités par rapport à leur capacité et à leurs besoins. Le Vata, il a besoin de manger chaud, surtout en hiver. Donc, faire des jeûnes, il faut qu'ils soient très contrôlé. Il faut pas qu'il y ait un déséquilibre, une augmentation de Vata. Donc c'est le Vata qui est équilibré, qui peut faire des jeûnes et dans certaines conditions. Il peut pas manger trop de crudités parce que ça le déséquilibre trop de froideur. En plus, il n'a pas la capacité digestive pour ça. Donc manger nourrissant, manger trois repas constants à la même heure et nourrissant avec des céréales complètes. Parce que, par exemple, le riz complet, il y a beaucoup de minéraux dans le riz blanc, il n'y a plus rien, c'est du sucre. C'est perçu par notre corps comme du sucre. Et on peut ajouter, après la cuisson, des huiles, l'huile de lin, l'huile d'olive, des choses comme ça. Je dis après la cuisson parce que toutes ces huiles, si on les chauffe, elles deviennent cancérigènes. Elles s'oxydent, elles deviennent cancérigènes, donc ce n'est pas terrible. Voilà, donc puis diminuer les stimuli la nuit aussi, ça c'est très important pour apaiser le mental. Donc préparer le sommeil 2 heures, 3 heures avant de se coucher, ne plus regarder la télé, les écrans, ne plus avoir de musique trop forte. Si on met la musique, c'est des petits décibels. Puis
Voilà, des petites actions comme ça, plutôt bouquiner que de regarder la télé. Diminuer les substances qui sont très excitantes, comme le café, l'alcool, le tabac, tout ça, ça va déséquilibrer. Pour le coup, il n'y a pas que Vata, tous les doshas, mais pour le mental, il y a un grand impact. Voilà. Et après, je peux rentrer plus en profondeur, je peux aller encore plus en détail. Je ne sais pas si c'est intéressant, parce qu'après, dans le Vata, on a cinq sub-Vata, sub-doshas. Et donc, il est intéressant de travailler avec un deux en particulier. Donc, à Panavayu, c'est celui qui régule les cinq sens. La réception des informations de l'extérieur. Donc, pour apaiser Pranavayu, pardon, pas Pranavayu, c'est très intéressant de faire le Nadi Shodhana dont je parlais. Et après, dans les sous-doshas, c'est très important d'apaiser Apanavayu. Apanavayu, c'est celui, Vayu, c'est air, donc c'est sub-dosha de Vata, bon, peu importe. C'est le seul qui est stable, il est plus stable que les autres quatre, parce qu'il bouge que quand il est sollicité. Tous les cinq Vayu, ils bougent, mais les autres, ils bougent tout le temps. Donc, par exemple, Vienavayu, c'est la circulation, donc c'est tous les mouvements du corps, donc il fonctionne en continu. Tout ce qui fonctionne en continu, la respiration en continu, etc. Il y a juste le Apanavayu qui bouge que quand il est sollicité. Et c'est celui qui nous permet d'aller à la selle, aux urines. Et à lui, c'est lié à la transpiration aussi, même si la transpiration, on peut avoir dans tout le corps. Mais Apanavayu, il est vraiment situé là, dans cette zone des hanches, bassin, les organes sexuels, etc. Donc, c'est vraiment cette zone. Et il va contrôler aussi les menstruations, l'accouchement chez la femme, etc. Chez les personnes chez qui Apanavayu, il n'est pas équilibré, c'est très difficile d'équilibrer le vata et du coup d'équilibrer vata dans le corps et dans le mental. Et la personne chez qui le Apanavayu n'est pas équilibré, c'est la personne chez qui on n'arrive pas à faire les selles tous les jours, par exemple. Ou que les selles, elles ont plutôt la tendance constipation et qu'on a beaucoup de mal à les sortir. Ou que les selles, un jour, c'est plutôt molle, un jour, c'est plutôt dur. Je suis désolée de parler de caca, mais c'est important en Ayurveda. Fonction du corps. Voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de voir si notre socle de Vata, il est équilibré. Donc, si les selles sont pas régulières ou qu'on a des problèmes d'émiction, enfin, pardon, je parle avec des termes compliqués, avec des urines qui sont trop excessives ou pas assez, donc, s'il y a un déséquilibre donc au niveau d'Apanavayu, la personne, par exemple la femme qui n'arrive pas à coucher, qui doit faire une césarienne, il n'y a pas vraiment d'explication, elle n'a pas dilaté. Donc ça, c'est un problème d'Apanavayu. Donc là, quand on cible très spécifiquement, on va cibler ça. D'accord. Donc la première chose, ça serait d'équilibrer ça, donc équilibrer notamment nos selles. D'accord. Donc si on a tendance à constipation, une chose qui marche bien, c'est le jus d'aloe vera, par exemple. Pour aider ça, mais bon, il faut changer l'alimentation et là, c'est quand même plus complexe, donc il faut un rendez-vous pour. D'accord. Donc toi, c'est ce que tu proposes en accompagnement, c'est de déterminer la dynamique dans laquelle la personne se trouve et ensuite lui donner les conseils appropriés. Pour gérer, pour se rééquilibrer. Tu Oui, en fait. travailles aussi en ligne ou tu travailles uniquement en cabinet? Oui, alors surtout depuis le coronavirus, donc je travaille plus qu'en ligne actuellement parce que j'ai pas encore décidé de réouvrir le cabinet. Mais en ligne, je fais donc les consultations et ça dure 1 heure et demie où je vais essayer de déterminer donc la constitution de base, les déséquilibres de la personne et on se met d'accord sur un but thérapeutique parce que l'idée c'est pas que ça soit, c'est sûr que c'est passionnant, c'est intéressant. Donc des fois les personnes elle me pose beaucoup de questions qui sont à côté du but, qui se dévient du but thérapeutique. Donc j'essaye de recadrer et de dire, vous êtes venu pour ça, donc on va se On focaliser va sur commencer ça. par Parce ça. que, et voilà, et dans le temps, c'est relativement court pour moi, en 1 heure et demie, de déterminer toutes ces choses-là, de comprendre, parce que je pose beaucoup de questions, mais il faut que je fasse les liens dans ma tête, et qu'à la fin, je sorte avec un protocole, quelque chose à suivre qui puisse aider la personne
pour qu'elle améliore sa santé, quoi. Très bien. Voilà. Donc, Et ouais. pardon, donc les personnes qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter à travers ton site ayurnature.com. Voilà. ayurnature.com, donc on peut prendre les rendez-vous en ligne directement, ou Très bien. sinon on peut m'appeler si on a besoin de renseignements. Et puis quand j'ouvrirai le cabinet, je fais aussi les soins ayurvédiques, donc tout ce qui est massage pour équilibrer les doshas. Il y a différents types de soins spécifiques, mais pour l'instant, je n'ai pas encore Oui, réouvert. J'attends de voir très bien. qu'est-ce qui se Bon, passe. oui, comme nous tous. Donc là, déjà, tu nous as donné des conseils concrets, voilà, que j'invite les auditeurs, les auditrices à expérimenter. Et comme tu as dit, c'est en pratiquant, en commençant petit, mettre en place ces conseils qui sont très accessibles et voir comment ça se répercute sur leur santé, sur leur mental. Et s'ils souhaitent approfondir ce travail, ils peuvent te retrouver donc sur ton site ayurnature.com. Exactement. Un grand merci, Rita, pour tous tes Merci. conseils. Et donc je mettrai tous les liens sur la page de cet article et je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Motassem, de m'avoir invité. Je te dis à une prochaine fois. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés, du coup.